Yo les PlayStation, nouvelle boutique du 12 juillet 2022. Alors on a un pack sirène, ok, donc comme d'habitude, celui-là on le connaît en vrai, avec les deux pioches, ok. On a le petit pack géométrique, pareil, le skin, la pioche, le revêtement. Ensuite, le petit skin insondable avec radieuse, la petite danse qui était là hier, des autres petites danses, ok. En bas on a Thor et Captain America. Le pack là, en vrai, je crois, ça faisait un petit moment qu'il était parvenu. C'est dommage qu'il ressorte parce qu'il était assez rare, je crois. Le petit pack avec les deux burgers pour 500. C'est grave pas cher, en vrai. Dites-moi si ça vaut le coup de l'acheter parce que j'ai déjà le planeur. Donc, il me manque juste les deux skins. Donc, pour 500 V-Bucks, en vrai, c'est rentable. On a aussi, pareil, le même pack mais avec les tomates. Sauf que j'ai que la danse. Donc, du coup, ça va. C'est quand même assez cher. Donc, celui-là, ça sera sûr que je vais pas l'acheter. Mais il est quand même stylé. Attends, mais il y a trop de packs. Le pack des tacos maintenant, d'accord, celui-là bon je l'ai déjà parce qu'il était sorti avant que j'arrête d'acheter dans Fortnite. Attends, mais il y a un truc de nourriture ou quoi? Pourquoi il y a que les skins de nourriture? S'il y a quelqu'un qui sait pourquoi il y a que de la bouffe dans le jeu, t'es marre, il y a que de la nourriture. Bon, s'il y en a qui savent, dites-le moi pourquoi. Du coup c'est tout pour cette boutique, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ce code créateur et suivre la boutique Fortnite. Allez, ciao!